j'ai pris la décision de venir m'installer ici. Pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes, j'ai décidé que l'argent que j'allais dépenser à Dubaï pour venir à Dubaï et pour y vivre, c'est un argent que j'allais gagner en dehors du Bénin ou j'allais gagner uniquement à Dubaï. Il y a 3 mois, j'ai pris la décision de quitter le Bénin pour m'expatrier à Dubaï. Je vous embarque avec moi dans ce voyage qui commence en France jusqu'à Dubaï, tout en vous expliquant pourquoi j'ai pris cette décision. Ok, les amis, donc là, je prends des pas de Lille pour Paris. J'ai pris un Uber qui va m'amener à la gare de Lille-Franche. Et ensuite, de la gare de Lille-Franche, je vais prendre le TGV qui va m'amener à Paris, à l'aéroport, où je vais rentrer par le terminal 1. Et je vais embarquer, là, je suis en train d'embarquer sur mon vol. Donc là, je vais prendre mon vol. Ils nous ont servi un bon petit repas dans le vol, au cours du vol. Et avant que je ne fasse mon escale en Suisse, je crois que je dois avoir fait... L'escale doit avoir duré 2-3 heures avant qu'on ne prenne le vol retour pour Dubaï. Donc, pendant l'escale, je crois que j'ai pris là un Starbucks le temps que je suis en train de vous vlogger tout ça. Là, nous sommes arrivés à Dubaï. Le taxi est venu me chercher. J'ai pris un Karim, le taxi local, qui est venu me chercher pour m'amener à l'appartement. Donc là, nous sommes en train de parcourir la ville jusqu'à mon appartement. Vous pouvez voir comment la ville, elle est très belle, stupéfiante déjà. Hello, les amis. Aujourd'hui, comme promis, on va faire la room tour. Je vais vous montrer tout l'appartement, toutes les pièces. Ensuite, on va descendre pour que je vous montre un peu à quoi ressemble la piscine, la salle de gym, etc. Et après ça, on va faire une balade ensemble et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je suis venu sur Dubaï. Pourquoi j'ai pris la décision de quitter le Bénin pour m'expatrier à Dubaï et quelle est la mission de cette chaîne ou quelle est l'aventure, les messages que je vais partager avec vous à travers cette chaîne. Let's go! Ok, donc on va commencer par le salon. On va commencer par le salon, je vais vous montrer un peu. Donc ça, c'est le salon. Ok, donc ça, c'est la porte d'entrée du salon. Je vous montre. Donc quand on rentre, donc on suppose que je suis rentré par là. 40, voici à quoi ressemble le salon. Ok, donc là j'ai ouvert le truc là-bas. Là vous avez un canapé là avec un guéridon. Ok, vous avez un canapé là avec un guéridon. Ici vous avez une table à manger. Là vous avez une table à manger. Ok, avec 4 chaises. Ensuite à côté, toujours dans le salon, vous avez un grand frigo là. Le frigo il est énorme. Ok, j'ai pas encore acheté des choses dedans, mais j'ouvre un peu pour que vous voyez. Le frigo, il est énorme. Je pense à peu près comme tous les frigos dans les appartements à Dubaï, parce que même quand j'étais venu en vacances ici, c'était à peu près comme ça. Le frigo était énorme. Ensuite, là, vous avez la machine pour les linges, ok, pour la buanderie. Vous avez la machine pour les linges. Là, bon, c'est moi, j'ai bu un truc là. Là, vous avez la place pour faire la vaisselle. Ensuite, vous avez ici la cuisinière, ok. Une belle cuisinière quand même. Et puis là, le micro-ondes. Et en gros, ici, je n'ai pas encore ouvert. Donc, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il y a ici. Ah, ok. Ici, vous avez des plats. En gros, en fait, les gars, ils mettent dans l'appartement tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir vivre. Là, les épices. C'est moi-même, j'ai ramené mes épices parce que pour un bon Africain, il faut bien manger. Donc, j'ai ramené mes épices. Là, vous avez le cook rice ou quelque chose comme ça. Ensuite, vous avez une table ici. Avec les différents éléments dedans, il y a des plats, tout ça. Après, toujours dans le salon, vous avez la télé et le meuble télé. La télé, elle est quand même assez grande. Je trouve qu'elle est quand même assez grande. Là, vous avez une chaise dans le coin. Et ce qui est beau ici, c'est qu'on a un balcon. Donc là, je vous montre un peu le plafond. Ok. Je ne sais pas si vous voyez un peu le plafond. Et ensuite, là, vous avez un balcon. Et c'est ça que j'adore vraiment ici, c'est que le balcon... Il est très, très, très grand. Voyez un peu. Et on a depuis le balcon une vue imprenable sur Dubaï. Donc là, vous pouvez voir une vue imprenable sur Dubaï. Là, tout en haut là-bas, là, si je zoome un tout petit peu, vous pouvez voir le Burj Khalifa qui est là-bas. On voit le Burj Khalifa qui est là-bas. Ce n'est pas très visible à cause du quartier dans lequel je me trouve. Mais vous avez le Burj Khalifa qui est tout droit là-bas.
Alors, une fois maintenant qu'on a vu le salon, on va faire un tour dans la chambre à coucher. Ok, voici à quoi ressemble la chambre à coucher. Bon, le lit n'est pas très bien fait parce que j'ai dormi là cette nuit. Donc, vous pouvez voir un peu à quoi ressemble la chambre à coucher. Ok, à côté, juste dans la chambre, vous avez également l'armoire. Je trouve que l'armoire est pas mal. Et aussi, dans la chambre à coucher, vous avez un balcon qui donne sur la vue. Ce qui veut dire qu'en fait, fondamentalement, on a deux balcons. Ce qui est très bien, le balcon de la chambre à coucher, il est très grand également. Et le balcon également donne une belle vue sur Dubaï depuis la chambre à coucher. Okay? Depuis la chambre à coucher, ici, vous pouvez voir le balcon qui donne une très belle vue sur Dubaï. Une fois qu'on a vu maintenant la chambre à coucher et le salon, nous allons faire un tour pour voir la dernière pièce qui est la douche. Ok, donc là vous avez la douche. J'ai pris ma douche là hier. Ok les amis, donc là on va au niveau de la salle de gym et de la piscine qui se trouve au niveau 1 du bâtiment. Donc là, moi je me trouve au niveau 10. Je viens d'appeler l'ascenseur, on va attendre pour aller au niveau 1. Ok, gym room. Donc ça c'est la salle de gym. Ok les amis, donc là on est à la salle de gym. Donc là, vous pouvez voir que c'est pas mal équipé quand même. Donc il y a une salle de gym dans l'immeuble directement. Voyez un peu. Après la salle de gym, on voit à côté qu'il y a la piscine. Ok. À côté, vous pouvez voir qu'il y a la piscine. Il y a un bâtiment juste en face. Il y a la piscine qui est juste là. Alors les amis, là je suis sorti de la maison. J'ai décidé de marcher un peu afin de vous répondre à la question à laquelle tout le monde s'attend à ce que je réponde. C'est qu'est-ce que je suis venu faire à Dubaï? Pourquoi est-ce que j'ai pris la décision de quitter le Bénin, mon pays, et de m'expatrier à Dubaï? Bah, la raison est simple. Pour comprendre cette réponse-là, il faut remonter à il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'étais encore salarié. Je travaillais dans une entreprise en tant que directeur marketing. Mais j'avais le sentiment que je pouvais faire plus. J'avais le sentiment que je pouvais devenir entrepreneur et gagner plus ma vie, avoir plus de liberté, voyager, etc. Donc le 1er janvier 2022, j'ai pris la décision, malgré la sécurité que j'avais avec mon emploi, de quitter et de tout laisser tomber pour devenir entrepreneur. C'était très compliqué parce que je n'avais pas vraiment d'économie, mais je suis quand même parti. Et quand je suis parti, les 3 premiers mois, c'était compliqué, mais j'ai quand même, en travaillant beaucoup, énormément, pu trouver une solution pour m'en sortir. Et au fur et à mesure, avec mon entreprise, on a pu, au bout des 8 premiers mois, ça a été très compliqué, mais au bout des 8 premiers mois, atteindre la base symbolique de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mon entreprise, c'est quoi? Je ne vous l'ai pas dit depuis. Et tout, mon entreprise s'appelle Marketing Lab. On accompagne les entrepreneurs, on les coach dans le closing, on les aide à devenir de meilleurs closers afin de pouvoir faire plus de ventes. Parce qu'un entrepreneur qui sait vendre, c'est un entrepreneur qui va faire plus de chiffre d'affaires. Et généralement, le problème que je me suis rendu compte en travaillant avec les entreprises quand même depuis 6-7 ans, c'est que la plupart des entrepreneurs qui ont envie de se lancer ou la plupart des gens qui ont envie de se lancer dans le business en ligne ne savent pas vendre. On a pris le positionnement du closing afin de les aider à mieux vendre. Donc, on les forme en closing, on les aide à exploser le chiffre d'affaires de leur business. Donc, en août 2022, on a passé la barre des 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois et c'était incroyable. Le mois qui a suivi, donc août-septembre, voilà, le mois qui a suivi le mois de septembre, on est passé jusqu'à 29 000 et quelques euros de chiffre d'affaires. Je crois qu'on devait avoir fait 29 900 euros comme ça de chiffre d'affaires en septembre 2022. L'aventure a continué comme ça.
jusqu'à la fin de l'année, je crois qu'au cumul en 2022, je dois avoir fait plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires. 2023 commence, je commence avec la même envie, sauf que en 2023, les choses ne vont pas se passer comme prévu. J'avais pour objectif en 2023 de faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires, donc de passer de 100 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais je n'ai pas pu le faire, tout simplement parce que après avoir essayé tout ce que je pensais possible dans ma tête, j'ai simplement pas pu atteindre l'objectif. Fin 2023, exactement novembre 2023, je prends la décision de partir en vacances à Dubaï. Et en partant en vacances à Dubaï, je me rends compte en fait là que les choses sont beaucoup plus incroyables que je le pensais. J'ai rencontré des gens qui m'ont montré que c'était vraiment possible de faire passer mon business de 100 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Et je me suis dit, bah si cette ville en fait est capable de m'inspirer autant, pourquoi est-ce que simplement je ne laisse pas tout dans mon pays et je déménage pour venir vivre ici en fait. Donc au final, au cours de l'année 2023, j'ai pas eu la croissance que je m'attendais. J'ai pas fait mes 1 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai fait un peu plus de 100K aussi, je pense, cette année-là. Après mes vacances à Dubaï, j'ai pris la décision de venir m'installer ici. Pour rendre les choses beaucoup plus intéressantes, j'ai décidé que l'argent que j'allais dépenser à Dubaï pour venir à Dubaï et pour y vivre, c'est un argent que j'allais gagner en dehors du Bénin ou j'allais gagner uniquement à Dubaï. Alors, fin décembre, le 22 décembre, j'ai pris un billet d'avion. Je suis parti en France avec 500 euros sur mon compte bancaire. Et je me suis dit que tout l'argent que j'allais utiliser pour organiser mon voyage sur Dubaï, c'est un argent ou c'est l'argent en fait que je vais gagner uniquement quand je serai en France. Donc, je pars en France, je repars tout de zéro. Je ferme tous les produits qui me rapportaient de l'argent, tous les coachings, toutes les formations qui me rapportaient de l'argent. Et je repars complètement de zéro avec 500 euros en poche. Et contrairement à l'erreur que j'ai commise sur les dernières années, j'ai décidé de documenter tout ce parcours avec vous cette année sur YouTube. La plupart des entrepreneurs qui viennent à Dubaï ou qui s'installent à Dubaï sont des entrepreneurs qui sont millionnaires ou disent être millionnaires. Moi, je ne suis pas millionnaire. Mon objectif en venant à Dubaï, c'est de pouvoir travailler, avoir accès au réseau, avoir accès aux connaissances, avoir accès aux différents outils pour pouvoir y arriver. Mon objectif avec cette chaîne est de documenter mon parcours entrepreneurial de A à Z, sans bullshit et sans vous vendre du rêve. Je veux vous montrer que même si vous partez de rien et que vous n'êtes pas encore millionnaire aujourd'hui, si vous êtes déterminé et que vous êtes assez fou à croire en vos rêves et à croire que c'est possible, vous pouvez y arriver comme moi. Parce que moi, je ne suis pas millionnaire en venant ici et je veux le devenir avec vous en vous montrant tout mon parcours étape par étape. Je vais partager avec vous mes galères, mes succès, mes réflexions, mais aussi beaucoup de contenu technique sur la vente, le closing et comment est-ce que vous pouvez vous former à cette compétence profonde-là afin de mieux développer votre business, lancer votre business, trouver des clients et vendre cher vos services. Nous sommes à la fin de ce vlog et je viens d'arriver à la maison. Là, je suis en train de rentrer dans l'immeuble. Ok. Dites-moi ce que vous pensez de ce vlog, de ma décision d'aller à Dubaï. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir atteindre la barre des 100 000 euros de chiffre d'affaires d'ici la fin de cette année? Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir réussir simplement? Donnez-moi vos avis dans les commentaires. On se dit à la prochaine vidéo. Ciao!